Walid, franchement, Walid, je crois que tu nous prends pour des cons et en plus t'es fou. Ça fait combien de lives que tu fais tout seul depuis que je te connais pour nous parler d'Adéza? L'Adéza, déjà les photos que tu montres, il n'y a pas de preuve que c'est elle. Et de deux, je crois que t'es bon pour mettre à l'asile des femmes imaginaires. Il dit qu'il s'est tapé plein de belles femmes et tout bordel. Il dit qu'il a été grand patron, alors qu'il veut faire des sandwichs pour le restaurant, pour des gens, ouais, un restaurant chez lui, pour vendre des sandwichs dehors. Il dit qu'il est milliardaire, il dit tout ça. Et là, ça fait 3 jours qu'il tourne en rond encore avec la DSA, et il y a 2 jours, il a attaqué Diana. Bon, il a attaqué Diana pour la DSA, et dans 2 jours, il va attaquer DSA pour la Diana, et dans 2 jours, il va attaquer DSA pour la Diana, et Diana pour la DSA. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais du Wallet. Mais les photos avec les pieds, les photos avec le dos et tout ça, bah c'est des photos de Kogel, ça, putain. C'est bizarre, j'ai tapé tatouage Kogel, dos, bah, il y en a plein, hein, il y en a plein. Et vous tapez pieds de femme, il y en a plein. Il pouvait faire croire tout ce qu'il veut. Il ne m'a jamais vu en cam, il n'a jamais. Et les téléphones qu'elle lui donne, ben, c'est des cartes gratuites, c'est que comme en France, qu'il y a, c'est aussi simple. Oh là là, il y a sûrement eu un début à l'automne, mais moi je vous dis, il se fait troller à mort. Il se fait troller à mort. Elle va le redec. Vive la DSA, vive la DSA. Non mais il n'est pas sérieux, lui. Avec une femme qu'il connaît, que sur ordi, qui lui a parlé au téléphone. Ou par online, ouais, c'est parti. Il nous fait un débat des jours et des jours. Il est complètement givré, ce mec-là. Il est complètement givré. Hein.